Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un programme ensemble et je me suis fait, bon, là c'est bon, faut qu'on fasse un programme ensemble. Ça fait longtemps, on va faire les choses bien, on va progresser. Et là, aujourd'hui, on a fait un programme pectoraux. Si t'as vu la vidéo que j'ai faite lors de ma reprise en musculation, quand j'ai récupéré mon physique avec les bras et les pecs qui commencent à venir, je t'ai dit que mon nouvel objectif, c'est de bien remplir le bas des pecs. Avoir le bas des pecs musclé et bien tracé. Et aujourd'hui, je vais te partager trois exercices que je fais. On va faire ça ensemble pour bien muscler le bas des pecs et être tranquille. Ok ? Premier exercice, je t'explique. Avant que tu te prépares, d'accord ? Tu vas prendre un banc ou une chaise. On va se mettre en position pompe. On va descendre 2 secondes et on va monter. On va faire 4 fois 10 répétitions. Moi, hop, j'ai mon eau qui est là, je vais boire un peu et on va commencer. Comme je t'ai expliqué, le premier exercice en warm-up, ça va nous aider à bien nous chauffer et bien nous préparer pour la suite au niveau des pecs. Allez, c'est parti, position de départ, hop, on descend. 1, 2 et on monte, on garde bien les pecs en avant. 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, allez. 1, 2, 5, c'est rien. Allez. 1, 2, 6. Allez. 1, 2, 7. Allez. 1, 2, 8. Allez. 1, 2, 9. Allez. 1, 2, 10. Ok. Je mets mon petit trait. Enfin, je mets le chrono et mon petit trait. Ok. Au niveau du temps de repos. Bon, là, c'est un exo sur poids de corps. D'accord. Donc, 1 minute. Ok. Entre 30 secondes et 1 minute de repos. Nous, on va prendre 1 minute. C'est un exo qui fait mal. Et si tu as suivi ma dernière vidéo, tu sais que je reviens d'une séance jambes de base, d'accord? Donc là, j'enchaîne. J'enchaîne uniquement pour que on ait du contenu. Parce que c'est important, comme j'ai dit, là, je vais faire un speedrun. On va essayer de runner en vidéo, faire plein de vidéos jusqu'en janvier, d'accord? Pour voir si on peut atteindre les 10 000 abonnés avant janvier. Dans tous les cas, les 10 000 abonnés, on va les atteindre ensemble. Mais est-ce qu'on va les atteindre, enfin, est-ce qu'on va les atteindre avant 2022? On verra, ok? 50 secondes, on va bientôt partir. Moi, je prends 1 minute de repos. Ouh. Et on en fait 4, hein, d'accord? Donc, on reste motivé et concentré. On se replace, allez. Hop, on descend. 1, 2, 1. Allez. 1, 2, 2. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 4, allez, 1, 2, 5, 1, 2, 6, c'est dur pour tout le monde, 1, 2, 7, allez, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10, ok, super, hop, je remets le temps de chrono, bam, bam, un petit trait, on est bien, et ouais, comme je t'ai dit, hein, je pouvais pas faire beaucoup de vidéos, je pouvais pas faire de programme, j'étais parti en Suisse pour faire des vidéos, pour des projets professionnels. Comme je t'ai dit, la vidéo, c'est mon taf. Mais franchement, j'aurais kiffé aussi que YouTube soit mon taf. Mais pour ça, voilà, faut aimer, faut partager, faut collaborer avec des marques, faut faire plein de choses. Tu vois, moi, tout ce qui est don, tout ce qui est Tipeee et tout, j'ai pas envie, ça sert à rien. On m'a dit, hein, ouais, dame, fais un Tipeee, fais un Utip et tout. Ouais, j'ai pas envie de faire ça, les mecs. J'ai pas envie de faire ça. Moi, je veux que les marques qui payent, d'accord? C'est les marques qui vont aider à faire vivre, c'est pas les gens qui doivent faire des Tipeee, des dons. J'ai pas envie de faire ça, les mecs. Ok, mais on est de retour à faire des vidéos. Là, les clients qui sont un peu loin, je vais les laisser et je vais bosser pour cette chaîne YouTube. Hop, 57, on va bientôt partir. On se replace, c'est la troisième. Allons, on y va. 1, 2, 1, ok. 1, 2, 2, 1, 2, 3, allez. 1, 2, 4. 1, 2, 5, allez, 1, 2, 6, c'est rien, 1, 2, 7, allez, 1, 2, 8, allez, 1, 2, 9, 1, 2, 10, ok, très bien. Hop, je mets le temps de repos, troisième petit trait, je vais boire 1 à 2 gorgées, pas plus, et on est bon. Ouh. Là, on est le 1er novembre, il est quelle heure? Il est 23h54, tu vois, de novembre,
à janvier, on va carburer. Essayer de faire 3 vidéos par semaine. Si on en fait plus, on en fait plus. Mais on va essayer de carburer, pas en faire moins. À part si j'ai un gros tournage qui arrive, mais même si j'ai un gros tournage, je m'engagerai à faire une vidéo. Faire des petits formats vlog aussi. Ma vidéo vlog, elle n'est pas sortie. J'espère que tu l'as aimé ou tu vas l'aimer. Et puis voilà, on va essayer d'engager un peu tout ça. Ok ? On arrive à 50 secondes, tranquillement. Fin du premier exercice, on a un peu chaud. Cet exercice-là, il me fait du bien parce que là, il fait super froid dans le garage. D'accord ? Là, c'est pas isolé, il a plu toute la journée. Je peux te dire qu'à 23h55, il fait froid. Allons là pour la dernière. Pec en avant. Et hop, une, deux. Hop, une. Ok. Une, deux. Deux. Une, deux. Trois. Allez. Une, deux. Quatre. On y va. Une, deux. Cinq. Ouais. Une, deux. Six. Une, deux. Sept. Allez. Une, deux. Huit. Allez. Une, deux. Neuf. 1, 2, 10. Ok, super. Donc là, on prend 2 ou 3 minutes de repos et on passe au deuxième exercice. Exercice numéro 2, on va faire un développé couché unilatéral. D'accord ? Donc c'est simple. Je t'explique juste pour que tu connaisses bien le mouvement avant de te préparer. Position de départ. On est comme ça, les deux haltères debout. Ok ? On baisse un bras. Hop. On baisse l'autre bras, ça fait une rep, ok? Un bras baissé, hop, on monte, l'autre bras, hop, deux reps, ok? On va en faire 10. Et là, comme on est vraiment dans la construction au niveau des pecs, là, je t'accompagne vraiment dans la séance. Ça veut dire que là, je prends plus mes petits poids d'habitude. De base, je prends des petits poids comme ça, voilà, on rigole, on est tranquille, je peux te faire la séance en parlant tranquillement. Mais là, j'ai mis, hop, deux... rondelle de 10 kg sur mon haltère. Je dois être à 24 kg, il me semble que la petite tige là, elle fait 4 kg. Donc, je peux te dire que c'est lourd, sachant que les 24 kg, c'est pas ceux de la salle. Comme les rondelles, elles sont grandes, niveau de l'équilibre, c'est pas pareil. C'est-à-dire que le ressenti, c'est pas 24 kg. Le ressenti, doit être à peu près à 30 kg. Mais ça va bien se passer, d'accord? Je suis là pour t'accompagner et je suis là pour qu'on fasse une bonne séance ensemble. Hop. Donc, 4 fois 10 reps. C'est parti, on y va. Allez, hop. Ouh. Hop. On y va. On baisse un bras. Hop, on baisse l'autre bras. Hop, une. Allez. Hop. Hop, deux. On y va. Allez. Hop, trois. Allez, on y va. Quatre, c'est rien. Hop. Cinq, jusqu'à dix. Allez. Hop. Six. Allez. Sept. 7, allez, 8, 8, allez, 9, 9, hop, 10, 10, ok, oh. Putain, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, démarrer le repos, temps de repos et faut que je décale mon téléphone et je mets mon petit trait tranquillement. Au niveau du temps de repos, on prend 1 minute 30, d'accord? Là, on a une charge lourde. Il faut se reposer pour bien envoyer. Ok? Ça, c'est un exercice qui fait mal. Ok? Bosser en unilatéral, ça fait mal. Tout à l'heure, on a fait un petit tempo, 2 secondes en bas. Ça fait mal au niveau des pecs. Mais là, tu vois, unilatéral, on arrive dans des vraies techniques. On arrive dans des choses où parfois, c'est les bodybuilders qui le font pour construire plus efficacement leurs muscles. Mais moi, tu vois, c'est des petits clés que je te donne. Parce qu'on a fait plein de programmes où on a fait des mouvements assez mécaniques, tu vois, du développé couché, bam, normal. Mais là, plus on avance ensemble et plus je te donne des techniques un peu plus poussées pour que tu ressentes mieux tes pecs, pour que tu aies un meilleur ressenti. Et c'est bien. Parce qu'en musculation, il faut varier un peu tout ça. Il faut varier les techniques, il faut varier les ressentis. Il faut que tu ressentes bien tes pecs. Et il faut que tu bosses aussi pour que ça se développe bien. Là, tu vois, je suis KO. Les charges, c'est plus les mêmes. Quand tu parles, tu vois, je suis un peu plus essoufflé, pardon. Mais bon, mon but, c'est de t'accompagner, te montrer que moi aussi, je peux me faire mal. Moi aussi, je souffre et j'ai souffert pour avoir ce physique-là. Et on le fait ensemble, ok? Deuxième série, c'est parti. Hop. Hop. Oh.
Allez, je te laisse te placer. Hop, les deux haltères en haut et on y va. Une, deux, trois, quatre, allez, cinq, allez, six, ça fait mal, allez, sept, c'est que ça bosse, allez, huit, allez, neuf, hop, dix, très bien, hop, oh, ok, hop, temps de repos en premier pour pas tricher et je mets mon petit trait, hop, deuxième trait, tu vois, c'est rapide, on est une petite séance tranquille, cette petite séance là elle peut te sauver, tu vois, t'as pas besoin de faire des 1h30, 2h à la salle, tu fais des petites séances simples, efficaces, ça peut aller, d'accord. Très important, je sais que je ne l'ai pas beaucoup précisé dans mes vidéos et mes programmes, mais quand tu fais un développé couché aux haltères et que tu as fini, hop, quand tu es là avec tes haltères et que tu as fini, tu ramènes tes genoux en avant, tu ramènes tes haltères et tu descends comme ça, d'accord. Ça va te sauver la vie, ok. Parce que on se blesse beaucoup en musculation pour rien aux haltères. Et notamment en les posant, c'est là où on se blesse. C'est pas dans l'exercice, c'est plus en les prenant et en les posant qu'on peut se blesser. Donc il faut faire attention, d'accord. Ça c'est une astuce que je donne, c'est important. Parce que moi je veux que mes soldats, ils résistent et ils tiennent jusqu'au bout. Et quand je veux vous voir en vrai, je veux que vous soyez balèzes. C'est important. On va bientôt partir là. À force de parler, j'ai l'impression que je me repose pas, tu vois. Mais bon, ça va, il reste 10 secondes. Hop. Ça me laisse le temps de me préparer. Et toi aussi d'ailleurs. Remarque, je prends toujours un peu plus de temps pour me préparer, pour que toi aussi tu puisses bien te synchroniser à moi. Hop. Les deux haltères sont bien droits en haut. Et on y va. Allez. Une. Super. Deux. Allez. 3, ouais. 3, ouais. 4. 5 jusqu'au bout. 6, c'est rien. Allez. 7, allez. 8, ouais. 9, on va chercher. 10, super. Oh, on est allé chercher la dizaine. Très bien. Voilà. Temps de repos. C'est parti. Encore un petit trait. Et on est good. On est good. Tu vois, en musculation, c'est ça. Faut aller chercher ses reps. Faut aller chercher. Faut mettre plus lourd, d'accord. Beaucoup de personnes me disent, ouais, Dams, j'arrive pas à trop évoluer et tout. Monte les charges. On m'a déjà dit, ouais, Dams, ce programme est trop facile. Monte les charges. Le mec, il a monté les charges, il a dit, ah ouais, c'est pas la même chose. C'est normal. Si le programme est trop facile que vous faites, montez les charges, d'accord. Là, on a 3 exercices. C'est tranquille, c'est easy. C'est pour ça, premier exercice, on a mis un tempo 2 secondes sur la descente et on remonte. C'est plus dur que des pompes normales. Là, on est en unilatéral, on est lourd. Donc, ça fait encore plus mal, ok. Faut monter les charges comme ça, tu vas évoluer. C'est important. Faut pas juste faire des mouvements mécaniques et attendre, ok. Le temps de repos, normalement tu es fatigué et quand tu auras le temps de repos tu fais ah merde putain il me reste 30 secondes, d'accord. Il faut que tu penses comme ça. Bon après plus tard tu seras comme moi, tu pourras discuter, parler, aura le temps de repos et rigoler, mais là pour l'instant t'es pas comme ça, d'accord, mais tu seras comme ça plus tard. Mon but c'est que tu arrives à mon niveau et que tu me dépasses, c'est important. Tu vas certainement me dépasser parce que moi mon taf c'est de faire des vidéos, je peux plus pousser comme avant. D'accord. Mais avant de me dépasser, il faut pousser. C'est important. On part pour la... Oh, pour la dernière série. Ouais, on part pour la dernière série. C'est parti. Allez. Hop. Hop. Là, c'est la dernière. On fait ça bien. D'accord. On a pris un peu plus de temps de repos. Je ne sais pas si tu es fatigué ou si ça t'a fait du bien. Mais là, faut partir. Allez, comment. Hop. Hop.
Les deux haltères sont levés. Et on y va. Une. Deux. Allez. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Six. Allez. Sept. Huit. Neuf. Dix. Ok. Oh. Ouais. Je pose les haltères tranquillement. Bah, je mets mon temps de repos pour tout à l'heure. Je mets mon quatrième trait. Et on est bon. Bon, on prend 2 ou 3 minutes de repos et on passe au dernier exercice. Dernier exercice, on reste sur le banc de développé couché et on va se faire du développé couché en prise neutre avec 2 secondes vers le bas. Je t'ai dit, aujourd'hui, on va se faire mal, on va se détruire. Petit rappel, la prise neutre, c'est une prise comme ça. Normalement, développé couché, on le fait comme ça, d'accord? Mais là, on prend les haltères comme ça, sur le côté. Et on y va. 2 secondes en bas, bam, on monte. 2 secondes en bas, bam, on monte. Ça va nous faire du bien. Ça va nous anéantir pour la fin de ce programme. Ok? Donc, hop, on prend les haltères. Et on y va. Pareil, 4 fois 10, répétition. C'est parti. Hop. Position de départ en bas cette fois-ci. Et on y va. Une, deux. Ok. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Allez. Une, deux, six. Une, deux, sept. Allez. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Ok. Oh. Repos. Pareil. 1:30 les gars. 1:30. Enfin, j'ai les gars, mais à certaines femmes aussi qui arrivent à mes programmes. Ça, c'est... Faut faire attention, c'est que j'aurais du mal avec ça, mais... Il y a des soldats partout, maintenant. Oh. On va une petite gorgée d'eau. Je t'ai dit, les pecs, c'est mon seul objectif. Avoir des bons pecs, je vais les avoir. Je sais que ça commence déjà à bien se dessiner, mais là, je suis motivé, les mecs. Je suis motivé, je les aurai, d'accord? Je les aurai. Mais pour faire ça, il faut travailler dur. Je sais que normalement, demain en salle, c'est ma séance pec. Ça veut dire que là, je me fais mal pour arriver demain à la salle et, et me détruire. D'ailleurs, je vais voir si je peux te faire des vidéos un peu en salle de sport quand je m'entraîne. Ou soit je m'entraîne et je parle juste derrière. Je verrai ce que je ferai. Clairement, je verrai ce que je ferai. Mais ce qui est important pour moi, c'est de partager une séance avec toi. On peut se parler, on peut... Voilà, enfin, c'est moi qui parle, d'accord? Mais tu comprends ce que je veux dire? On est ensemble, tu vois, on est ensemble, on s'entraîne ensemble. Quand je te montre un peu les programmes, il se peut que tu n'aies pas la motivation de le faire, d'accord? Mais là, on est ensemble, je me fais mal aussi, d'accord? Il est minuit 14, là, je me fais mal pour qu'on évolue ensemble, c'est important. Sauf que moi, je me fais mal une seule fois, mais toi, tu vas te faire mal pendant 2-3 mois et changer de programme par la suite, d'accord? Mais c'est ça qui est bon, c'est important. 1 minute 25, on est bon. Hop, allez, hop, on se prépare, tranquillement, hop, position de départ, en bas, on compte 2 secondes, 1, 2, et on y va, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Oh, ouais. Ça fait mal. Ça fait mal, ça qui est bon. Hop, voilà. Deuxième trait, ça va aller très vite. Je t'ai dit, c'est un petit programme, mais ça va vite. Ça, c'est bien, ça, d'accord? C'est bien. T'as pas le temps, tu vas faire une petite séance rapidement. Tu vas avoir l'impression de travailler, faire ce programme-là, d'accord? C'est important. Moi, pour les pecs, c'est ça que je vais faire maintenant. Clairement, dans mes séances, que du banc droit, plus d'incliné. On va travailler, on va dessiner, d'accord?
On va se dessiner demain, je vais certainement un peu faire de l'écarté. Plein de choses, mais je vais essayer de te filmer ça. Franchement, ça peut être cool si je te filme ça, ok? Aussi des perfs où je prends des poids assez lourds et tout. Ouais, ça peut être intéressant, vraiment. Oh. Et petit rappel, si c'est trop dur pour toi, si c'est trop lourd pour toi, n'abandonne pas, d'accord? Va au bout. Et si tu dis, putain, j'ai au bout, mais j'arrive pas, c'est pas grave, tu mets pause sur la vidéo, tu regardes la pub, c'est une pub, et tu retires ton poids, tu baisses les charges, ok? Tu baisses les charges, mais t'abandonnes pas. Baisser les charges, c'est mieux qu'abandonner, ok? Comme ça, au moins, tu sais que ton corps, il n'en peut plus, et que là, c'était la limite. Mais la prochaine fois, tu pourras le faire. Et si tu peux le faire la prochaine fois, ça sera encore la prochaine fois que tu pourras le faire, ok? Et c'est comme ça que tu vas évoluer. Et on y va pour la troisième série. Allez, hop, hop. Et temps de repos, ça passe vite, hein. C'est comme ça. Allez, prépare-toi. Hop, une, deux, on y va. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Allez, une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Allez, une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, hop, dix. Ok. Ouais. On est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Putain, là, je me dis, franchement, je me sens plutôt good pour faire un autre programme juste derrière. Après, c'est bien, comme ça, ça me fait plusieurs programmes à te proposer. Mais franchement, on verra. On verra comment je me sens après. Parce que là, je suis dedans, là, je suis chaud, tu vois. J'ai fait une séance jambes, ça s'est bien passé. Le week-end, j'ai fait un entraînement muscle up, donc ça va. Mais faut pas que je me tue trop pour demain. Mais si j'ai la force pour te faire du contenu, je te fais du contenu. La priorité, c'est qu'on bosse ensemble. Mon physique, clairement, il est bien, d'accord? J'aime bien mon physique parce que j'ai bossé pour. Là, à la salle, je vais pour m'amuser, c'est de l'entretien, c'est tout. Et par la suite, ce sera juste à la salle pour te faire du contenu. Pour nous, pour qu'on rigole. Je vais aussi faire du contenu pour MyProtein parce que c'est mon sponsor. D'ailleurs, il y a moins 52% sur MyProtein, d'accord? C'est important, enfin, en ce moment-là. En novembre, donc il faut en profiter, enfin du 1er au 5 il me semble, donc il faut en profiter, c'est important. Il nous reste une dernière série, on va bien la faire. Il reste 20 secondes à peu près de repos, on va bien la faire, on se prépare, je suis là. J'ai mis des charges assez lourdes pour qu'on assume bien, ok? Tout va bien se passer. Il reste 10 secondes, hop, 5 secondes, ok. Prépare-toi. Hop, prends tes haltères. Tranquillement. C'est la dernière, ok? Après, la séance, elle est validée. On y va. Hop, on compte 2 secondes. 1, 2, boum. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. Allez. 1, 2, 6. 1, 2, 7. On met un peu de difficulté. Allez. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. Ok, super. Eh oui. Rien n'est facile. On met un peu de difficulté. Pour qu'on soit bien, c'est important. Bon, je mets quand même mon petit trait, hein, c'est important. Ça montre qu'on a validé la séance et qu'on est allé au bout. Le temps de repos, pour moi, il me sert à rien. Oh. Donc voilà, les gars. Séance spec, validée, terminée, ok? Tu peux te faire un autre programme après ça. Si jamais tu as du temps, si jamais tu as encore envie d'envoyer, tu peux te faire un petit programme triceps, un programme épaules. Ça va très, très bien avec les pecs. Même les bras, si tu as envie de les bosser, tu peux les faire. En revanche, je te déconseille de faire des séances de gros muscles comme le dos, juste derrière. D'accord? Ça, je trouve que ça ne va pas trop ensemble. Et j'aime pas trop faire pec et dos en même temps. J'aime bien faire un gros muscle et après, voilà. Ok?
qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? On est allé au bout ensemble. Ça m'a fait plaisir de faire cette séance avec toi. Si t'as kiffé, mets un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. En ce moment, t'as moins 52% avec mon code sur MyProtein. Donc si tu as des compléments alimentaires, vas-y. Par contre, si tu as des compléments alimentaires, je t'invite à aller voir mes vidéos que j'ai faites sur les compléments alimentaires que je prends. D'accord? C'est important, j'explique. Tu peux me faire plaisir en prenant mon code promo, mais prends pas n'importe quoi, d'accord? Il faut que tu saches ce que tu prends et il faut que tu en aies l'utilité, d'accord? On est ensemble. Grâce à toi, j'ai un partenariat, mais je vais pas te dire de prendre n'importe quoi aussi, ok? C'est important. Abonne-toi aussi si c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything, who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you'll be surprised at the info you get, is by letting them talk, so I'm letting them talk.